expérience de vie nomade parmi les nomades, aller à la rencontre des pêcheurs vivant au bord de la rivière Kamtchatka, découvrir une nature sauvage encore bien préservée de l'impact humain, pour prendre le temps de regarder, écouter, sentir, entendre et goûter ce que Monsieur Nicolas Hulot nomme la partie visible du Jardin de Dieu. Они вот тонут с этой рыбы. На две лодки, на две. Вам фишку, две лодки. Две рыбы. И дети, это ваша река. Я дарю ее. Понял? Le Kliouchevskoï, étudié à l'époque par Haroun Taziev lui-même, reste à l'heure actuelle le monument incontestable de la puissance volcanique de la presqu'île du Kamtchatka. Lorsque l'on s'engage dans des bras d'eau étroits, le stress est à son comble. Les jumelles nous servent à nous rassurer, car comme toujours, nous sommes pris entre le désir de vouloir voir et la peur de voir des ours. Quel curieux paradoxe! Jour après jour, l'observation de notre premier ours deviendra une obstination, une quête quotidienne. Du matin au soir, l'ours est omniprésent dans nos pensées et dans nos paroles. Nous imaginons toutes sortes de rencontres, bonnes ou mauvaises, histoire de se préparer psychologiquement à tout type de réaction à avoir si le besoin de nous protéger devait arriver.